been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. Parce que je viens de mettre ma fille à la sieste, voilà. Donc on s'arrête tout ce qu'on peut hein, pour qu'elle dorme. Les mamans comprendront. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Comme d'habitude, j'ai trop attendu et mon sac déborde. Je sais pas trop si je vais continuer de vous les faire ou pas, parce que bon, il y a quand même des produits que je vous montre à chaque fois. Mais bon, je me dis que ça peut quand même servir parce qu'il y a quand même des nouveaux qui arrivent sur la chaîne entre chaque vidéo, donc je ne sais pas. Donc bienvenue au nouveau, en passant. Merci pour votre abonnement. J'espère que vous plairez sur cette chaîne. Donc on va y aller parce que sinon ça va risquer de durer trop longtemps. Donc tout d'abord, ceci. Ça vient de chez Action. C'est des boules de bain là, pour les enfants. Et comment vous dire que c'est de la crotte. Donc ça met juste le bain de couleur. Et encore, c'est pas... Hein. Ça sent pas... Non, franchement, j'ai pas trouvé que ça sentait grand-chose. Oh punaise, c'est pas possible. Elle va me casser les pieds. Je vais la laisser pleurer. Ma main... Oh là là. C'est déjà la deuxième fois que j'y vais, hein. J'ai déjà été lui redonner un bib. Bib qu'elle n'a pas fini, mais il y a un moment où... C'est pas possible. Donc ça, non, n'achetez pas. Voilà. On se fait avoir par le packaging, comme à chaque fois. Ensuite, Doudou a fini son gel douche orange bio, pamplemousse bio, chez le petit Marseillais. On va voir ce que ça donne sur Yuka. Oui, c'est bon. J'ai dû le réinstaller parce que j'ai remis mon téléphone à zéro. Est-ce que je peux me connecter via... Quand c'est pas la petite qui va nous embêter, c'est Facebook. Alors, c'est bon. Alors, celui-ci, je sais pas si je l'avais... Oui, il est autorisé, oui. Celui-ci. 50 sur 100. Je sais pas si vous voyez... Voilà, donc c'est bon, mais c'est pas. Mais bon, c'est Doudou, je préfère qu'il ait ça qu'un truc bien plus pourri, mais bon. Je risque de lui racheter parce qu'il ne veut toujours pas passer au savon, monsieur. Oh, ça date ça. Le Biocura pour les enfants. Qu'est-ce qu'il faut que je passe? Ça, un point de plus, 51 sur 100. Et clairement, je l'aurais racheté là. Je leur ai repris le framboise, non, groseille, framboise, ou je sais plus quoi. Enfin, le rouge, je leur ai repris parce que j'arrive pas à leur en trouver un qui sente bon et qui fonctionne bien. Enfin, je sais pas. Donc là, je suis en train d'en utiliser un peu en ce moment. Donc, oui, je rachète. Voilà. J'ai terminé un savon de chez Action. Mais je pense pas qu'il doit être dessus celui-ci. 62 sur 100. Donc savon vegan. C'est l'aromacologie. J'en ai un autre à tester encore. Donc celui-ci était à la lavande. Donc normalement 98% naturel. Donc voilà, il est à 62 sur 100, ça va. Et j'ai bien aimé l'utiliser. Ça peut me changer un peu des savons d'Aldi quand je ne vais pas à Aldi comme ça. Mais ouais, ça va, j'ai bien aimé, j'aimais bien l'odeur. Je vais essayer de le mettre dans mon sac. Voilà. Ensuite, Doudou a terminé un shampoing que j'avais acheté en pharmacie pour lui, parce qu'il a une dermite, donc il est tout le temps en train de se gratter les cheveux, et ça lui fait des plaques qui se décrochent, enfin c'est... Voilà. C'est pas terrible, mais il a pas aimé. Hein, voilà. Shampoing transparent qui n'a pas d'odeur, pour lui, ça ne sert à rien. Voilà, donc il n'a pas trouvé qu'il y a eu de changement. Donc 58 sur 100. C'est de la marque Ducray, il y a que 400 ml. Et bah, clairement, bah, je ne le rachèterai pas hein, parce qu'il n'a pas aimé. Ensuite, Doudou a terminé un bain et douche hydratant à la fleur de cerisier.
de chez Lanava, donc c'est le clair. Et celui-ci, il est médiocre, 39 sur 100. Donc non, on ne rachètera pas. Ensuite, c'est beaucoup de gel douche de doudou. Hein. Oh là, celui-là aussi, 31 sur 100, médiocre. Donc Ushuaïa, gel tonifiant, donc gel douche, voilà, à l'excès de cèdre. Donc ben, on ne rachètera pas, hein. c'est de la caca. Je jette, il n'est pas du tout terminé, je pense qu'il y en a encore bien plus de la moitié. C'est le lait de toilette extra doux, marque Repère, donc chez Leclerc, donc chez Maud Enfant. Il est 93 sur 100, donc il est très bon, mais il y a trop, cette fois-ci c'est trop grand. Ma fille aime pas que je lui nettoie le visage avec ça, et il y a eu un moment où elle a chopé une mycose, donc je ne sais pas si ça vient de ça ou pas. Est-ce qu'il a tourné? Est-ce que je ne sais pas? Mais bon, en attendant, bah, je ne le rachèterai pas. Je ne le finis pas parce que bah, voilà, elle a chopé une mycose sur le visage. Donc, non. Voilà. Donc, je ne le rachèterai pas du tout. J'ai terminé donc une eau nettoyante de la même marque. Voilà, nettoie et rafraîchit. Ça, je m'en sers. Bah, du coup, je nettoie le visage avec ça maintenant. Et, bah, et les fesses en plus. Donc, 86 sur 100. Et ça, je le rachète à chaque fois parce que bah, je l'utilise énormément du coup pour les fesses et pour le visage. Ou dès qu'il y a un petit truc à nettoyer, je l'utilise. Ensuite, un shampoing Biocora extra doux, donc pour doudou. Celui-ci est 58 sur 100. Je pourrais le racheter. Voilà, mais bon, je vais plus forcément à Aldi maintenant. Enfin, vu que je fais les courses en sortant du boulot, je vais au plus proche. Enfin, c'est. Donc, je peux être amenée à le racheter. Il n'est pas si mauvais que ça. Ensuite, je me suis fait avoir à Action. Voilà, j'avais les mignons. Mes enfants adorent les mignons. Du coup, je leur ai pris ça. Mais c'est du caca. 39 sur 100. C'est plus de flotte qu'autre chose. Voilà, donc au final, je l'utilise pour faire un bain moussant, quoi. Voilà. Je ne vais pas dire que je ne vais pas racheter parce que je risque d'être happée par le packaging encore une fois. Et j'avais déjà pris les 100 dalmatiens, je ne sais plus ce que j'avais pris, mais voilà, c'est pas le premier et ça sera sûrement pas le dernier. J'ai terminé le détox Apple Vinegar Spray de This Is It. Ça, je le trouve à Action et j'aime bien son côté démêlant. Voilà. Et ça fait bien briller les cheveux, donc 50 sur 100, ça va. Et bah, si mes cheveux repoussent, peut-être que je le rachèterai. Voilà. Doudou a terminé un Edel Shoulders Men Ultra Male Care. Ça coûte une blinde et c'est de la caca. 26 sur 100. Donc, voilà. Je me bats pour qu'il arrête ses shampoings de merde, mais... Quand c'est lui qui fait les courses, bah forcément il en achète. Donc normalement on rachète pas. Les Menen, hein, comme d'hab, c'est du caca, mais il n'y a que ça qu'il aime bien, donc 31 sur 100. Mais bon, ça on rachète, on rachète, on rachète, on rachète, on rachète, on rachète. Mais c'est du caca. Un petit gel douche. Bio, le petit Marseillais, orange, pamplemousse. Alors là, il m'a dit, c'est quoi ce truc? 86 sur 100. Il est bon, hein, mais c'est que de la flotte. Il me dit il faut que j'en mette je sais pas combien de fois sur mon pour me laver, il faut que j'en mette pour me faire un bras, il faut que j'en remette pour faire le bras. Enfin, c'est... Donc non, je ne le rachèterai pas. Voilà. Parce que bah, il a pas fait longtemps. Hein. Liam a terminé. Un dentifrice Jordan. Ouais, j'avais eu ça peut-être à Leclerc, je crois. 79 sur 100, donc c'est du 0 à 5 ans. Bah, ça a été rapide, hein. Il n'a pas duré longtemps celui-là. Donc à la fraise, est-ce que je rachèterai? Je sais pas trop. Je préférerais en avoir plus grand parce que là, ouais, 50 ml, ça fait pas longtemps. Surtout qu'il met une blinde sur son brosse à dents. Mais bon, ça. Puis là, ils sont les deux à se laver les dents maintenant, donc ça va vite. Bah, voilà, un autre. Hein, je vais pas le. C'est la même merde. Alors, ensuite. Dentifrice, le Vitofluor, le Viofluor de chez Aldi, que moi j'aime beaucoup,
Code barre partagé. Yuka ne sait pas noter ce type de produit. Pourquoi tu dis ça? D'habitude, tu me le mets, celui-là. Tu me l'avais déjà mis par le passé. Il était très, très bon. C'est bien ce qu'il garde en mémoire tous vos trucs. Et normalement, je l'ai, celui-là. Vu que moi j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est bien d'avoir un historique sur les produits que vous avez déjà utilisés parce que vous êtes, si vous êtes amené à le racheter, vous pouvez vérifier si vraiment il est bon ou bah, ils me l'ont enlevé. Comment ça se fait? Parce que celui-ci, j'en ai consommé énormément. Énormément. Bon bah ouais, ils ont dû l'enlever. C'est bizarre. Parce que bon, ça, chaque fois, je vous en montre, quoi. Bon. C'est bizarre. C'est bizarre, non? Très bien. Mais avec code barre partagée, je comprends pas. C'est peut-être celui-là. Bon, bah écoutez, tant pis. Mais bon, je savais qu'il était bon. Et moi, j'aime bien. Il détache bien la plaque dentaire. Je l'aime bien. Il vaut grave le coup. Allez, du Ménène en voiture, voilà. Dentifrice Sanogil. sur 100. Celui-ci, c'est le soin blancheur. Et je pourrais être amenée à le racheter quand je vais pas le dire. Il faudrait que je prenne celui-ci. Celui-ci, oui. Celui-ci. Parce qu'il est pas mal, du coup. Et j'ai toujours un peu les gencives qui saignent. Alors, j'ai terminé un sérum anti-ride, parce qu'on est vieille, hein, de chez Diadermine. Et je vais pas avoir le... Est-ce que j'ai la boîte dans tout ce... Bon, on va avancer, on verra bien si on retrouve la boîte. Hein, on verra bien d'ici la fin. Gel douche Sanex, 0 sulfate, 0 machin, 0000. Hop. Celui-ci, 93 sur 100, je pourrais t'amener à le retrouver, à le racheter, parce que bah, finalement, il préfère que je lui prenne du Sanex que des gels douches style le petit Marseillais bio. Là. Donc, je pourrais t'amener à le racheter, celui-ci. Voilà, merci Bella pour l'interlude de Griffoir. C'est bon? Merci. Ce fut un plaisir, Bella. Donc, ça, c'est le Sanogil, voilà. Ensuite, le petit cœur a fini le petit panda de chez Signal. Donc c'est du bio. 93 sur 100, je pourrais t'amener à le reprendre. Oui, oui. Ah, ça me semblait bien. Donc voilà, vous voyez, je me suis fait avoir plusieurs fois. J'ai acheté aussi celui-ci, mais c'était la même merde. Vous avez vu, ça m'a pas découragée, j'ai racheté les miens. Je jette les produits voilà, que j'avais acheté, bah, pas une blinde parce qu'il y avait une bonne promo sur showroom privé. Je me suis fait avoir par une story voilà, de Gaël Garcia Diaz, voilà, qui utilisait soi-disant ces produits et que c'était oufissime. Mais bon, moi ça me rendait les cheveux très très gras et voilà, je n'aime pas les utiliser. Voilà, les conditionneurs, les soins sans rinçage, hein, je suis pas très fan. Voilà, donc voilà. J'ai utilisé quoi? Ça. Voilà. Donc non, beauté privée, tout ça, on va laisser tomber. Encore un petit peu de Ménène? Ma poubelle va déjà être pleine, les gars. Ensuite, un petit sérum pour les mains que j'avais trouvé à Action. Voilà, 39 sur 100. Ça ne m'étonne pas que ce soit mal noté parce que bah, il faisait pas grand chose en fait. J'ai pas plus kiffé que ça, donc bah, je ne rachèterai pas. Voilà, mais
Je voulais quelque chose pour mes mains. On continue dans les trucs de cheveux. Macadamia, ça c'est de l'huile, voilà. Comment vous dire que c'est de la mélasse. Et que non, je ne peux pas utiliser ça sur mes cheveux, c'est pas possible. Voilà, ça colle, c'est... Non. Voilà. Ça venait peut-être de chez nous, ça. Je sais plus trop. Je voulais vous montrer ceci aussi. Mais je ne les trouve plus, malheureusement, dans mes actions. Voilà. C'est pas faute d'en faire 3. 68 sur 100, c'est de savon à la fiel de bœuf. Ça détache très très bien. Bon, il y a certaines tâches que je n'arrive pas à avoir avec les petits peaux bébés, tout ça. Il y a des moments où... Voilà, si c'est pas fait dans l'instant, c'est mort. Mais j'aimais beaucoup l'utiliser, mais là je n'en trouve plus. J'avais pris ceci à la place, le Dr Beckmann. Voilà, c'est pareil, c'est un savon détachant à la fiel de bœuf, mais celui-ci n'est pas noté. Donc, mais il ne marche pas aussi bien que celui-là, et bah voilà. Je préfère largement celui-ci. Mais je ne le trouve plus, donc voilà. Dites-moi si vous le trouvez encore dans vos actions, mais moi je ne le trouve plus et je suis dégoûtée parce qu'il était vraiment bien. Et quand je faisais ma lessive maison, j'en mettais aussi dedans. Mais là j'ai abandonné parce que bah j'arrive pas à trouver la bonne formule pour que ça se dissolve bien. Pour pas que... Enfin, j'ai beau secouer mon flacon avant la lessive, ça se mélange pas forcément bien et ça me fait des dépôts dans le machine. Enfin, c'est... Voilà, donc j'ai arrêté de faire ma propre lessive, à défaut de trouver une bonne recette. Pourtant j'en ai fait plusieurs, mais j'arrive pas à avoir une bonne mixture en fait. Enfin bon, bref. Donc voilà, si jamais vous le trouvez, vous prenez. Ensuite, je jette la Mustela Hydra Baby, parce que ça fait trop longtemps qu'elle est ouverte. Voilà. Et elle n'aime pas que je mette de la crème sur le visage et tout. Pourtant, elle sentait bon celle-ci. Mais bon, voilà. Donc je jette et je peux pas vous donner la note parce que j'ai pas le packaging. Voilà. Encore un petit Ménène. On va voir toutes les couleurs. Encore un petit shampoing. Tout à l'heure, c'était un gel douche, il me semble. Non, c'était un shampoing. Donc oui, 58. Donc oui, ça, je pourrais racheter. C'était bien un shampoing. J'ai terminé. Savon de Marseille. De chez Cosma, ça c'est chez Auchan. Parce que je n'avais plus de savon et j'étais en galère, machin. Du coup, j'avais pris ça. 93 sur 100, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout la sensation sur la peau, après. Et il a fondu. Voilà, il est parti très vite celui-ci comparé aux autres. Donc, non, je rachèterai pas. Petit gel douche Corinne de Farm Spider-Man pour mon petit loulou. 86 sur 100. Est-ce que je reprendrai? Peut-être oui, peut-être non. J'aimerais bien les avoir en plus grand format en fait. Parce que oui, pour les enfants, ça part très très vite. Donc dès que vous en mettez un peu dans le bain ou quoi. Donc oui ou non. Allez, on continue, toujours avec ça. Ah, d'ailleurs, je sais plus si je l'avais scanné l'autre. 58 sur 100, ouais, mais non. Ça, c'était quoi? Le shampoing. Ouais. Non, je ne rachèterai pas. Et je ne vous les conseille pas, du coup, franchement. J'ai pas trouvé mes cheveux plus beaux, qui poussaient ou quoi. Je les perdais toujours avec ça, donc ça n'a pas changé. L'huile démaquillante, de chez L'Oréal, elle est restée dans ma douche pendant un moment. Et 41 sur 100, c'est de la merde. Je n'aime pas les huiles pour me démaquiller. J'ai toujours... ça me fait mal aux yeux, quoi. Une fois que tu ouvres des yeux, après être passé avec ça, ça te brûle. Comment? Voilà. T'as cette sensation de gras, de... Non, je n'aime pas. Je n'aime pas. Voilà. Encore un pour la route. Savon, c'est les savons Biocura que je prends donc à Aldi, que j'aime beaucoup parce qu'ils me font 3-6 mois quoi. Voilà, je suis tranquille pendant un moment, ça coûte 60 centimes. Donc voilà, vous avez celui-ci ou vous avez celui à l'huile d'olive. Il n'y a plus celui à la glycérine, je sais pas, je le trouve plus. Donc, j'aime bien les utiliser.
bah, ça sent pas ouf. Bah, c'est ça, c'est le souci, c'est qu'il n'y a pas forcément une odeur. Voilà. Mais ça vous sentez que votre peau est propre et vous n'avez pas de sensation de que me font les gels douches, parce que je me gratte à mort après les gels douches. Hein, donc là, j'ai pas la peau qui me gratte, j'ai pas de dépôt. Donc je rachète à chaque fois ceci, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, voilà celui à l'huile d'olive. Voilà. Mais c'est vraiment ce que j'aime utiliser. Ah, je jette tu sais ce qu'on mettait autour des cuticules quand on fait la manucure pour pas en avoir partout. Mais voilà, moi, je ne les fais plus assez souvent et du coup, bah, ça a complètement séché dans le truc. Donc voilà, je jette. La bepanthène. Voilà. Pommette. Non, pommade. Pas pommette. Bepanthène pommade. Que j'utilise pour les fesses de ma fille. Voilà, parce qu'il n'y a que celle-ci qui fonctionne. La Mustela, c'est du caca, là. 1, 2, 3, change, je sais pas quoi, là. C'est du caca. Ça lui fait rien. Que celle-ci, vous le mettez ça. En une journée, c'est résorbé. Donc. Je rachète, bien entendu. Comme ça. Ah, le fraise magique Dentamil. Oh là là, c'est très poussiéreux dans ma salle de bain. Il va pas réussir à l'avoir. En même temps, le code barre, il est complètement coupé. C'est normal que ça marche pas. Ça pourra pas marcher, mais bon. Non, je rachèterai pas, je pense pas. Je préfère lui prendre le signal. Ah, franchement, je pense que la compo est meilleure en plus. Le signal avec le panda, là, le bio. Allez, encore un petit vénène. C'est celui que je préfère, le musc. C'est celui qui sent le meilleur, je trouve. Je jette bah, du coup un vernis Kiko Quick Dry. C'est quelle teinte? C'est le 819. Bah, parce qu'il est complètement séché, quoi. Vous voyez? Il est mort. Il est mort, le vernis, il est mort. Et je me les fais plus. Parce que bah avec le rayon, bah comment vous dire que mes ongles ils font pas long feu. Donc voilà, je ne me fais plus mes ongles. Le baume à lèvres Roger Cavaillès. Alors ceci, 100% oui, mais ça ne sert à rien. Voilà, ça ne répare pas. Ça, voilà. Tu le manges je pense, mais non, c'est non. C'est non, pour moi c'est non. C'est 100% oui, mais ça ne répare pas. Donc je vois pas l'intérêt. Un long lasting stick de chez Kiko. Là c'était la teinte 38. Voilà, c'est ce que je mets les matins où je suis un petit peu à la bourre. Voilà. C'est pour du rapido. Voilà. Je me suis racheté une autre teinte un peu plus foncée, il me semble. Mais j'aimerais bien me racheter plusieurs teintes. Voilà. Parce que j'aime bien, c'est bien pratique et ça tient bien. Donc voilà. 8 heures sans transfert. Donc oui, ça je me rachèterai. Ensuite, je jette un vernis séchage rapide Miss Europe. Voilà. Ça pue, c'est. Non. Voilà. Non. Séchage rapide, t'as le doigt qui est en fou partout. Donc non. Maxi format Ushuaïa. 37 sur 100. Voilà. À la vanille, un antitranspirant. Ça fonctionne pas. Oh, de ouf. Voilà. Ensuite, le Schmidt. 72 sur 100. Bergamote Lime. Voilà. Ces trucs-là, ça fonctionne plutôt bien. Mais ça arrache les aisselles. Voilà, si vous les utilisez tous les jours, ça peut faire mal. Il y en a certains qui les supportent bien, mais voilà, il y a quand même des trucs assez forts dedans. Je sais plus ce que c'est qui cause ça. Je sais plus. Mais voilà, tu te retrouves rouge. Donc, mais ça fonctionne plutôt bien. Mais bon, voilà, ça fait un moment que. Hein, voilà. Moi, il faut que je puisse le mettre tous les jours, quoi. Alors, voilà, on continue dans cette super gamme. Ça, c'était quoi? C'est le
Ah oui, c'est le soin sans rinçage, je sais pas quoi là, mais non. Non? Non? C'est gras? Ouf! Ouf! On a un zéro pointé. Bye bye. Bye bye. Comme dirait les mignons. Bye bye. Ça, est-ce que j'ai l'emballage? Je ne sais pas. Les produits Viavermine, je sais pas. Normalement, je les ai gardés, mais est-ce que je les ai mis dans le sac? Couillonne comme je suis, bon, voilà. Je les ai pas mis dans le sac et je pense que ça va être que je les ai gardés, hein. Il me semble que je les ai gardés. Donc je vous les montrerai peut-être, bah, si je retrouve les trucs, je les mettrai dans mon sac pour la prochaine fois. Mais celle-ci, j'ai pas senti de différence. Donc la Viavermine Lift Algo Rétinol Jour, j'ai pas senti de différence sur ma peau ou quoi que ce soit. Celui-ci, franchement, j'ai pas senti non plus. Et c'est qu'on sait jamais où on en est. C'est ça le truc, c'est le stress. Est-ce que j'en ai encore pour longtemps ou pas? Et voilà. Tu sais pas où t'en es. Tu sais pas. Tu vois pas à travers le truc. Voilà. Donc tu pompes jusqu'au bas. Voilà. Jusqu'à ce que tu te retrouves sans rien. Et si t'as pas de backup, et ben. Donc non, je pense pas que je rachèterai. Je sais pas. Non, franchement, je pense pas. Parce que j'ai pas vu de différence. Je voudrais bien lisser un petit peu, flouter un peu les pores. Ensuite, alors, j'ai terminé un alignement aléocalcaire de chez Biolan Expert. Bon, bah, ça c'était une dose voilà, gratuite, je pense que j'ai eu à la maternité ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, bah, c'est du alignement, hein, donc ça est pratique pour mettre dans le sac allongé, mais voilà, je ne rachèterai pas. Ça c'est quoi? Quelle marque? Ça c'est Coral Extreme. Je l'ai eu où ça? Je sais même plus où c'est que je l'ai eu. Si c'est. J'avais dû l'avoir sur Eva Beauty Access, je pense. Et voilà. Je rachèterai pas. Le Kiko, c'est un crayon de la teinte 04 Matita Ochi, Oki, je sais pas. Donc c'était un crayon bleu, vous tournez comme ça, machin, vous avez le petit taille crayon, mais il est complètement sec. Et puis bon, il a souvent été très sec, de toute façon pour l'utiliser, c'est... Voilà. Donc non, je rachèterai pas, moi j'aime bien les trucs qui sont quand même un peu crémeux, qui sont faciles à appliquer, et là c'était pas le cas, donc non. Puis bon, je mets plus forcément de crayon en même temps. Donc non. J'ai terminé un savon pour le visage de la maison Guidem. Pas trop. Parce que 100%, donc c'est un savon au lait de chèvre que j'avais trouvé dans la parapharmacie de mon Auchan. Voilà, donc c'est bio. Et moi, je le préfère à celui que j'utilise en ce moment, mais est-ce que je le rachèterai? Je sais pas trop. Je pense pas. J'ai pas encore trouvé le savon. Voilà. Tu sens que ta peau est bien nettoyée et tu ne chopes pas de boutons. Voilà. Encore un petit savon. Mon sac dégueule. Oh! Encore un petit savon. Je sais pas depuis combien de temps je vous avais pas fait de vidéo. Alors. Ah, il y a un truc au fond. Voilà. Oh là là. La poussière. J'ai terminé l'eyeshadow primer de chez Mickey. Ça c'est Action. Et j'ai pas aimé. Je préfère largement celle de Lidl. Qui fonctionne mieux, je trouve. Là en ce moment j'utilise celle de chez NYX. Donc. Voilà, mais voilà, non, c'est de la gnognotte. Donc non. Je jette, parce que ça fait une éternité que j'ai ça. Ça vient de chez Claire's et bah, c'est nul. C'est nul. Voilà. Ça date tellement. Mais puis le bronzer, tout ça, je mets plus rien sur mon visage depuis les masques. Et je jette, voilà. Brush pen de chez
action. Comment vous dire que c'est de la merdouille. Ce n'est pas un brush-pen pour moi parce que la mine ne bouge pas, elle est complètement dure et vous n'arrivez pas à. C'est pas un brush pour moi. Donc non, c'est de la merde. Vous en servez comme crayon, un stylo basique, quoi, mais pas comme un feutre brush. Non, non, c'est de la merde. Voilà. Donc passez votre chemin si vous attendez à faire de la calligraphie avec ça. Non. Donc voilà, j'ai terminé pour mes produits. Nous avons été coupés parce que je parle beaucoup trop. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas trop où ça a coupé. Non, ça devrait aller. Donc je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura servi à ne pas acheter n'importe quoi. Voilà. Si mon avis a pu en éclairer certains, c'est fait pour ça. De gros bisous, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!